va, toi, t'es content? Oui, ça va. Je prépare le premier plan pour lundi et je rentre. Je réveillonne chez moi. Et Gabin, ça va? Ça va bien, mais il est vraiment très fatigué. Tu sais, c'est un film dur. Ah, oh, bah oui, comme tous les films, il est toujours fatigué. Ah non, cette fois, c'est vrai. Ça. Ah. Bonsoir, Bernard. Hein, je me sauve, bon Noël. Ça va, toi, Bernard? Ça va, je suis fatigué. Tu me dis. Ah, bah, vous avez donné le mot. Non, pourquoi? Tu connais pas la dernière? Ah non, écoute ça, parce que c'est vraiment la plus belle. Monsieur a l'intention de demander une émission de télévision au vieux. Non, c'est pas les fêtes. Non, non, ce soir. Ce soir? Oui. Une émission? C'est pas c'est pas extraordinaire. Rien d'extraordinaire, mais ça me fait beaucoup rire, mais c'était très amusant. J'étais bien avec Jean, toi. Ouais, oui, pourquoi? Ah, pour l'émission, tu t'avais trouvé tout à l'heure, toi. Moi? Je te demande, moi? Non, merci. Viens, reste bien avec moi. Oh, ça fait voilà, mal. Merci, bon ami. Bon, j'ai compris, c'est un film de copain. Bon, bah, moi, je vais aller le trouver, je vais dire qu'il y a l'émission, c'est comme ça, et c'est ça. Ça. Ouais. Ah, te voilà, toi. Eh ben, tu tombes bien, j'ai justement à te parler. Comment tu vas? T'as l'air bien reposé, t'as même bonne mine. J'ai une bonne mine. Ah bah ça, tu peux le dire quand j'ai une bonne mine. J'ai vraiment bonne mine. T'as vu ce qu'il y a là-dedans? Non, c'est trop dit. Eh ben, on m'annonce pour une émission Noël à la télévision. Et il paraît que je dois dire un texte de toi, en plus. Vénère. Oh non, hein, je t'en prie, hein. J'étais au courant de rien, j'apprends ça par la presse, alors viens pour me charrier, en plus. Parce que je l'ai vu, ton ami Rossi. Moi, j'ai eu une conversation avec lui. Je te jure qu'il y a des énergumènes à qui on devrait interdire les professions honnêtes. Oh, il est bien, Rossi. Monsieur Paul Rossi, que je parle, c'est de toi. Pourquoi, moi? Je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu le jour où je t'ai rencontré, toi. J'avais un métier relativement agréable. En dehors du percepteur, personne ne me tourmentait. J'étais peinard. Là-dessus, on nous présente. Je me dis, tu veux faire un film? Je dis, bon, oui, on va faire un film. Et je suis obligé de m'en partir 10 dessus. Et maintenant, là, tu veux te lancer dans la télé. Tu prends des accords à mon insu. Alors là, je te jure que je ne suis plus. Tu permettras tout de même que je ne te vois pas content et que je renaude. Bah, moi, je croyais que ça te ferait plaisir de passer à la télé ce soir de Noël. À condition d'être prévenu. Eh ben, maintenant, tu l'es. Je pense bien le jour même. Et après une journée de boulot et un film fatigant, j'aime te le dire. Ah bah ça commence, ça ouais. Oui bah ça, ça se fera jamais assez, parce que toi t'es fait tes petits trucs sur les bouts de papier, mais qui disait que t'es obligé de t'envoyer ça 8 heures par jour pendant 9 semaines, c'est le vieux, comme vous dites. Parce que ça aussi, je le sais, vous m'appelez le vieux. Oh, c'est différent. Vous en êtes. Tu t'englottais sur ta journée de travail. Ah oui. Alors, on m'annonce tout bonnement après une journée de boulot, vous ne rentrez pas chez vous, le réveillon est supprimé et vous faites une émission de télé. Si encore il y avait quelque chose de vrai, je sais pas moi, un sketch ou quelque chose, mais il n'y a rien. Et puis, il y a pas que je vais improviser à mon âge, non? Tu pourrais peut-être me dire un poème, une pièce de circonstance. Bah tiens, tu vas peut-être réciter le Noël des pauvres gens, ou bien dire un petit compliment, pourquoi pas. Alors, tu vas lui trouver ton ami Rossi, et puis lui dire que je suis pas dans la course, que je déclare forfait. Ouais, bah, on a un prétexte. Ah ben, il y en a un tout trouvé, ma fatigue. Alors, dis-lui que je tombe cette nuit. Oh tiens, le Noël. Bon, ben, il n'y a qu'à tout simplement lui dire la vérité. Que j'ai 160 bornes pour rentrer chez moi, que l'arbre de Noël est prêt, que les souliers sont dans la cheminée et que j'ai promis d'être...